Vous êtes là, juste au centre du golfe de Mondello. La noblesse palermitaine, à partir du XVIIIe siècle déjà, commence à bâtir de belles villas ici. Son profil. Avec la famille, on était en train de voyager, faire bien vacances. C'était le 19 juillet. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Internet. La porte de Trapani.
petit gâteau que la propriétaire de cette petite pâtisserie prépare. Les deux premiers sites en Sicile à être classés patrimoine de l'humanité en 1997. Il y avait 10 portes. Imaginez quelque chose comme 12 km de rempart. La grande villa romaine qu'on va visiter au centre de la Sicile dans un territoire loin de grandes villes, loin de centres importants. C'était pas un hasard parce qu'on l'a bâti au centre de la Sicile rurale, là où il y avait la production de blé. Dalla deuxième zone de végétation de l'Etna. A partir de ce moment, il n'y a plus d'arbres, il n'y a que des petites plantes, saponaria, camomilla, il y a l'astragalus siculus que vous pouvez voir bien sûr à votre droite dans quelques instants. Vous voyez ces buissons. Comme ici. Ici, il y a des bars, des toilettes. Oh là là, what? Chaque cratère a son propre cheminée et l'activité c'est différent. S'il y a activité explosive l'hiver et les roches
che si forma per l'attività esplosiva tombe sulla neige e si forma un couche. La neige resta per tutta l'année parce que la roccia si trae isolante. Taormina, c'est une des destinations touristiques plus importantes en Sicile. Regardez qu'est-ce qu'elle est jolie cette baie avec cette grille. Il y a encore des restes de remparts sur les rochers. La cathédrale normande domine tous les villages. La lessive, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au XXe siècle, ici on faisait la lessive. C'est bon, on se développe tout autour de son château. Donc les châteaux, c'est l'origine du village. Des nougats, des productions et un peu de ce qu'on appelle croquante, c'est-à-dire c'est du sésame, de la pistache, de noisette, amande croquante. Cette église reste la plus importante aussi grâce à la présence d'une œuvre d'art, c'est polyptique, du 1520. Tout est dédié à la Vierge et c'est un polyptyque vraiment qu'on n'en a pas beaucoup en Sicile de polyptyques si bien conservés. Et c'est une petite œuvre d'art à l'intérieur de cette église.